J'espère que vous êtes en forme. Alors, j'ai préparé 45 minutes de séance corde renfo. Vous connaissez bien ce type de séance-là. Si vous n'avez pas de corde, hein, vous le savez, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire sans. C'est sûr que ça vous travaillera un peu moins au niveau des bras, mais bon, ce n'est pas... C'est pas si gênant que ça. Ça vous fait quand même bien travailler. Et donc, vous avez juste besoin d'un tapis, de l'eau et puis une corde, évidemment, ou pas. On va pas commencer par la corde. Juste un petit rappel, réglage. Ouais, je coupe juste les commentaires pour que ce soit plus simple sur YouTube, sur Insta, pardon. Et alors... La corde, moi, c'est une corde très basique, hein, celle-là, c'est une Décathlon. Alors, pour trouver la bonne dimension de la corde, on marche dessus à peu près niveau égal de chaque côté. Là, on écarte les jambes, largeur, épaules. Et en fait, il faut que les poignets, une fois placés à l'horizontale, arrivent un peu au-dessus du nombril. Voilà, le nombril est 5 cm au-dessus. Et puis après, c'est vraiment à vous de la régler. En sautant, il y en a qui aiment bien les cordes très longues, d'autres plus courtes. Moi, pour l'ajuster, en fait, je fais des nœuds sur la corde et pas au bout à l'intérieur des poignets parce qu'après, ça s'en mêle. Voilà, juste pour ceux qui avaient besoin d'un petit rappel. On va commencer tranquillement. Là, par de la mobilité, je démarre mon chrono. Et puis après, on attaque. Alors, moi, j'ai le plafond là dans mon garage qui est très bas, je vais écarter un peu plus les bras que d'habitude. Donc, c'est pas une consigne que je vous donne. Hein. Je le fais parce que j'ai pas le choix, sinon je touche le plafond. Allez, pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Là, point de talon. Et on le refait un peu plus rapide. 1, 2, 3, poussez bien haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va le faire sur un pied maintenant. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, sautillez, là on relâche. On va échauffer cheville et poignet en même temps. Là, on change de pied. Ok, relâchez les genoux. Là, en flexion latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Des rotations, vous gardez toujours les deux genoux collés. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme. 1, 2, 3, 4. Et 5, ok, on relâche là. Petite rotation du bassin. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, là, on va chercher sur les côtés. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Et là, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vers l'avant. 1, 2, 3, toujours beaucoup d'amplitude. 4, 5, 6, 7 et 8. On va sautiller, on va finaliser. Échauffement des épaules sans la corde. Et puis après, on attaque le travail en utilisant la corde et en finissant l'échauffement avant d'attaquer nos trois blocs. Là, vers l'avant. 1,
là en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche. Là, devant, bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pousse les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche. Et on va prendre la corde. On va finaliser tranquillement. Là, juste le temps de finir l'échauffement, prendre ses marques. Là. Alors, ça me permet en même temps de vous présenter la séance. Alors, pas en détail, vous la découvrirez au fur et à mesure. Mais vous savez, on part pour 45 minutes avec trois temps différents. Donc, un premier bloc où on sera sur du travail un peu long. Quand je dis long, c'est 45 secondes de travail à la corde, 15 secondes de récupération active. Avec quelques variations que j'intégrerai. Voilà. Le deuxième bloc, je vous donne juste vraiment l'orientation principale du bloc. Et après, dans le bloc, il y aura plein d'exercices différents. On va passer au sol pour le renforcement musculaire. Mais globalement, c'est du 45-15 sur le premier. Sur le deuxième, on va être sur du 30-30. Et sur le dernier, on va être sur du... à la fois du très court, c'est-à-dire du 15, mais en même temps du plus long. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc on va découvrir ensemble. Bon, c'est la première fois que je fais la corde dans mon salon, dans mon garage, pardon. J'espère que ça ne va pas être trop galère. Ok, il nous reste 45 secondes comme ça. On va finaliser l'échauffement. Donc, on continue à sauter, là, tranquillement, mais pas forcément beaucoup de rythme. C'est un rythme dans lequel vous vous sentez à l'aise, un rythme où vous pouvez tenir longtemps. Voilà, rythme de croisière. Allez, encore 20 secondes comme ça. Et après, on attaque. Voilà, ceux qui n'ont pas de corde, hein, vous sautez là. En point de talon. Ok, on relâche. Continuez à bouger. Et on va démarrer là dans moins de 5 secondes. Ok, c'est parti. Là, on saute tranquillement. J'espère que je ne vais pas galérer toute ma séance. Et là, 1, on lève le genou, toujours le même. Et je vous donnerai le tempo pour changer de jambe. Allez, encore. Encore. Ok, on change. On continue, on s'accroche. Allez, 10 secondes. Et après, récupération active. Donc, si vous décidez de ne pas sauter, relâchez. Là, on peut sauter sur place comme ça, soit marcher, lâcher la corde. On a 15 secondes, donc c'est à vous de décider de ce temps de récupération active. Moi, je préfère continuer à sauter. Ce n'est pas une obligation. Allez, on continue là. 1, 2 et on change. 1, 2, 1, 2, 2, encore. Allez, on continue. On va faire les 45 secondes comme ça. Ah, c'est pas vrai.
continuer sur moi. Je crois que je vais finir sans corde. La 1. Je suis placée au mauvais endroit. Allez, encore. Je vais juste me décaler. Je pense que vous me voyez aussi bien. À 1, 2, on continue. Allez, 5 secondes. Ok, on relâche, normal. Là, on est sur le temps de récupération active. Continuez. Attention, on va reprendre sur un ciseau, là. Allez, continue. Toujours un ciseau. Ok, normal. Là, écarté serré. Allez, encore 5 secondes comme ça. Vous pouvez commencer à mettre du rythme si vous le sentez. On relâche, normal. Là. Continue, attention, on va reprendre en pieds joints. Là. Pied serré, on pousse bien sur la pointe de pied. Allez, encore. Là, serrez les abdos et on met du rythme. Allez, encore, encore, encore. Continue. Allez, 15 secondes comme ça. Allez, encore, encore, encore. On essaye d'aller un peu plus vite pour les 5 dernières. Allez, 3, 2, 1, soufflez. On a 15 secondes. Je vais juste en profiter pour m'avancer un peu, reculer tout. Hop. Allez, on repart dans 2, 1. Mince, c'est pas le bon plan là. Allez, c'est parti. Là, en talon, fesse une jambe. Là, une seule jambe. Allez. Toujours la même. On met du rythme. Allez, encore, encore. Ah, oh, c'est pas vrai. Allez, toujours même jambe. On relâche 15 secondes avant de repartir. Récup active, continue à bouger. Là, on part dans 5 secondes. Je vais finir par lâcher ma corde et vous accompagner sans corde, je crois. Attention, c'est reparti sur l'autre jambe. Allez, en talon-fesse toujours, une jambe. Allez, encore. Allez, 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 allez. On lâche pas. On continue sur une jambe, toujours. Réception pointe de pied. Allez, encore, encore. 15 secondes comme ça. Accrochez-vous. Allez, 5. On reste droit, regardez. Droit devant. Là, on abaisse les épaules au cœur. Récup. J'ai ma corde qui s'accroche au tuyau au-dessus, là. Je suis désolée. J'ai dû changer de lieu au dernier moment. On reprend. Les deux. Allez. Là, on commence à mettre un peu plus de rythme. Allez, encore, encore, encore. Alors, je vous explique. On finit cette séquence-là de 45 secondes. Et après, on va être sur 2 minutes. On va faire des accélérations sur des temps un peu différents. Bon. Je tente, dernière tentative avec la corde et après, je lâche tout si ça ne marche pas. Allez, encore. 10 secondes.
Allez, allez, allez. 5 secondes. Continuez. Ok, on relâche. Normal. Là. Alors, ce que je disais, on va partir là sur 2 minutes, sur du non-stop, quasiment. Je vais vous donner le tempo à chaque fois. Ok, c'est parti. Là, on débute sur une accélération. Montée de genoux. Allez. Allez, 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 allez. Je vous dis encore 3, 2, 1, on relâche. Là, normal. On se prépare dans la tête, ça va être un peu costaud. C'est reparti. Allez, encore. Allez, 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 allez. On accélère. Allez, on relâche. Encore 3, 2, 1, on accélère. Allez, 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 allez. Encore. Relâchez. Attention. On repart. Allez. Encore. On lève bien les genoux. Là. Serrez les abdos. On relâche. Là, attention. 3, 2, on accélère. Allez, allez, allez. Je pose ma corde, désolée, je fais ça. On relâche. On repart, allez. On monte les genoux. Allez, 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 allez. On relâche. Attention, 3, 2, 1, c'est reparti. Allez, on monte les genoux. Encore. Allez, on relâche. Allez, il nous reste 30 secondes comme ça. Top, c'est reparti. Allez, 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 allez. Tirez bien sur les genoux. Encore. Encore. On relâche. Là. Dernière. Allez, donnez tout. Encore. Allez, 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 allez. On lève bien. 3, 2, 1, soufflez. On passe tout de suite sur tapis. En position de gainage. La planche. Ici, vous êtes bien fixe. Là, on serre les abdos, on serre le ventre. Juste doucement, amenez le genou vers le coude opposé. Reste là. Encore. 3, 2, 1. En planche. On reste solide, les épaules bien au-dessus des mains. Et on change de côté. Le genou vient coller le coude. Encore, on résiste. 3, 2, 1, planche. Cette fois, on va partir là sur des croisées dynamiques. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fixe. Ceux qui ont besoin d'une pause, posez le genou 2-3 secondes à terre et revenez avec nous. Et pour les autres, on passe sur les coudes. Allez, tout le monde sur les coudes maintenant. Et là, on avance. Et on pousse sur la pointe des pieds pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là. On fixe. On se redresse. Et là, on vient toucher les épaules. 1, pour 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On pose, on se retourne. Là, pour une série de renfort abdominal, on part là sur un ciseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On bloque. On reste ici. Une jambe bien tendue. Descendez là le plus bas possible. On a le coude qui vient vraiment toucher le genou. On rentre le ventre. On inverse. Là, on maintient la position. Tendez bien la jambe. On est à 2 cm du sol. On a le coude qui colle le genou, qui pousse même le genou. On inverse.
Allez, le coude est bien collé au genou. Vous pouvez même le pousser si vous avez envie d'accentuer un peu le travail. On inverse. Allez, encore. Une dernière fois. Là, on maintient. Et on va partir sur 12 ciseaux rapides. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche. Deux options pour le suivant. On lève, on tend vers le bas. Là, on soulève bien le bassin. Sinon, si c'est trop dur, vous faites juste là. Petit balancier. Et c'est parti pour 15. 1, 2, soulevez bien le bassin. 3, 4, on lève bien haut et tout droit. 5, encore. 6, on tend bien les jambes. 7, 8, 9, 10, 11, encore. 12, on expire en montant. 13, 14 et 15. Vous pouvez vous relever. Là, avoir une petite gorgée. Et on reprend les cordes. Je vais refaire une tentative de cordes, même si je vous avoue que je suis un peu frustrée. Et on reprend tout de suite. Là, on saute. On finit la minute comme ça. Commencez à mettre un peu de rythme. Là. Allez, encore. On tient 30 secondes et on va enchaîner sur notre deuxième bloc. Alors, ce prochain bloc-là, je vais vous demander de mettre encore plus de rythme sur chaque séquence, étant donné qu'elles vont être un peu plus courtes. Donc, on démarre dans 15 secondes. Là, si vous n'avez pas, si vous aviez posé votre corde, c'est le moment de la reprendre. Dans 10, 5. Là, on va repartir tout de suite pieds joints. Là. Et on met du rythme. Allez, allez. Là, on est en saut classique. Pieds joints. Allez, encore, encore, encore. On continue. Mettez du rythme. Allez, 10 secondes comme ça. Serrez bien les abdos, on serre les abdos, on serre les fesses. Allez, on continue. 3, 2, 1, normal. Là, récup active. Continue. La prochaine, on sera toujours sur du pied joint, mais là, en latéral. Vous avez encore 15 secondes, là. On récupère tranquillement. Si vous avez la possibilité, passez la corde sur les côtés. Je suis désolée, je suis limitée aujourd'hui. Hein, j'ai quand même maintenu la séance, je n'ai pas voulu l'annuler. Mais c'est pas simple. Attention, c'est parti là. Allez. Allez, on continue. Et on s'adapte. On va y arriver. Allez, encore. Encore, encore, encore. Sinon, je ferai de la air cord. Comme la plupart d'entre vous, je n'ai jamais fait. C'est l'occasion de tester. Allez, 10 secondes, continuez. On lâche pas, dès qu'on rate, on reprend comme je viens de le faire. Allez, 5 secondes. 3, 2, récup. La normale. On récupère, on marche, on saute. Choisissez votre mode de récupération. Mais ça ne peut pas être un mode passif. On bouge. D'accord? On continue là. Toujours en activité. On fait 45 minutes en mouvement. Il n'y a pas de... La récupération est active toujours. Allez. Dans 3 secondes, on repart juste sur un genou là. Allez. On lève bien haut. On essaye de monter. Niveau bassin. Allez, encore. On touche à peine le sol. Et on remonte. Ah. Allez, encore, encore, encore. 5 secondes. 3, 2, 1, normal. Là, on reprend un saut classique. Vous pouvez relâcher là devant.
croisée. Si vous pouvez tenter, c'est le moment à me tenter des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, j'expérimente aussi mon garage. Attention, on va repartir sur l'autre jambe. Allez, c'est parti, là. Allez. Je vais lancer le chrono. 2 secondes avant. C'est pas grave, tant que c'est plus. C'est le principal. Allez, on continue. Allez, encore 15 secondes comme ça. Encore. Là, ne lâchez pas. Allez, allez, allez. 5. Ok, on relâche. Normal. Prochain, on va être en ciseaux. Là. Donc, si vous n'avez pas de corde, vous pouvez associer les bras en tendant les bras devant. Là, en élévation. Ça vous fera travailler. On repart dans 10 secondes. Là, on se prépare. Attention. Allez, top, c'est parti. Là, en ciseaux. Allez. Encore, on met du rythme. On est à 25 minutes de séance, donc on peut y aller. Hein. Là, on est bien. Allez, encore. Encore, 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 encore. On continue. Allez. Ah, c'est pas vrai. Continuez sans moi. 7 secondes. Allez. Je saurais qu'il ne faut plus revenir dans le garage pour faire de la corde à sauter. Allez, encore. Soufflez. On récupère. Là, tranquillement, on relâche. On va partir sur un talon-fesse pour le prochain. Là, on s'accroche. On met du rythme, hein, toujours garder la même cadence. Si vous aviez pris du repos, attention, c'est parti. Si vous prenez du repos sans corde pendant les pauses, là, essayez de prendre la corde au moins une fois sur deux, de changer les modes de récupération pour vous habituer un petit peu à être beaucoup plus actif sur les temps de récup et beaucoup plus efficace et économe. Allez, encore. On continue. 5 secondes comme ça. Ok, on relâche. Là, tranquillement, on récupère. Prochain, on va être en écarté serré. Et là, pareil, on met du rythme. D'accord? Il nous en reste 2 comme ça, sur des 30 secondes. Et après, on repart sur un bloc en 10 secondes d'accélération, 5 secondes de repos. Là, le même bloc qu'on a fait tout à l'heure. On va repartir sur la même chose. Attention, là, c'est parti. En écarté serré. Là, on continue. Allez, encore. Allez. Allez, allez, allez. 15 secondes. Encore. Mettez du rythme, pointe de pied. Là, toujours. On continue. Allez, 3. 2, 1, soufflez. On récupère. Là, tranquillement. Alors, il nous reste. Là, pour le prochain. Ah, c'est pas vrai. Donc, on repart dans 10 secondes. On va faire là, en 3, avec des pieds joints. Donc, je suis là. 1, 2, 3, 4. Ok, allez, c'est parti. Devant, derrière, côté. Allez, et on met du rythme. Là, on continue. Serrez bien les abdos. Je pose ma corde, désolée. J'en ai marre de mal faire. Allez. Encore. Allez, on finit. 3. 2, 1, récup là. On se tire, gardez si vous le pouvez. Bon, allez, je retente parce que ça me frustre.
de faire une séance corde sans corde. Attention, on va repartir sur notre bloc d'accélération. Donc, on met vraiment du rythme. Là, dans 10 secondes, on attaque tout de suite sur l'accélération. Levez bien les genoux. Là, on serre les abdos et on envoie. Attention, top, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, on met du rythme. Encore. Soufflez. Là, on récupère. Préparez-vous. Attention, c'est reparti. Allez. Allez, 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 allez. 3, 2, soufflez. On reste actif. Attention, c'est reparti. Allez. Encore, on accélère. Allez. Soufflez. Continue. Top. Allez, allez, allez. Encore. On ne baisse pas la cadence. On a tout un bloc. On finit fort. 2, 1. Soufflez. Là, on récupère. Top. Allez. Encore, 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 encore. Allez, dernière minute. On s'accroche. Soufflez. Attention. Top. On accélère. Allez. Encore. Soufflez. Allez, dernière 30 secondes. Attention. C'est reparti. Allez, 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 allez. Encore. Allez, on s'accroche. Relâchez. Allez, on arrive au bout là. Top. Allez. Ah, dernière. Allez, allez. On continue. Encore. Soufflez. Là, on relâche. D'accord, on continue tranquillement. Ok, on passe tout de suite sur le tapis. Là, je vais me mettre dans ce sens-là. Ok, on planche tout de suite. Là, bien gainé. Et là, mountain climber, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fixe. Là, si vous avez besoin d'une pause, posez le genou 2 secondes et rejoignez-nous. Ok, c'est parti. L'extérieur du tapis. Allez. De gauche à droite, on serre bien les abdos. Allez, encore. Ok, on fixe. On reste là. On reste. Écartez un tout petit peu plus les jambes. Et là, on vient toucher devant. Et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12. On reste ici. On fixe quelques secondes. Là, si vous étiez en pause, on se replace. Et là, on vient toucher la main avec sa main, le pied opposé. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12, on reste ici, on fixe, là, on bloque un petit peu, on profite pour me rhabiller, on reste là, on passe sur les coudes, là on reste ici, là bien solide, serrez les fesses, serrez les abdos, dos droit, on n'a pas la tête rentrée, on reste bien aligné, et là alternativement on va ouvrir, là, ouverture thoracique de chaque côté, allez sur 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste ici, on fixe, on a presque fini. Et là, on va aller chercher sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ok, on se relève. Et là, avant de reprendre la corde, on va continuer à travailler sur la sangle abdominale et les abdos. Les mains aux tempes. On fléchit la position de squat. Les genoux vers l'extérieur. Dos droit est là. 1, 2, belle rotation. Coup de genou. 3, 4, encore. 5, allez. 6, on s'accroche. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On descend, on reste ici. On fixe un peu, dos droit, tire les fesses vers l'arrière. Genoux vers l'extérieur, on est sur les talons. Et là, on se redresse pour 12. 1, 2, tire les fesses en arrière. 3, 4, 5. On vient s'asseoir sur les talons. 6, 7, 8, 9 et 10. On ouvre là en sumo. Et là, on descend toujours. Dos bien droit. 1, 2, 3. Descendez bien droit. 4. On descend le plus bas possible. 5, 6. Encore. 7, 8, 9 et 10. On fixe ici. Là, on reste bien le plus bas possible. Et là, on boxe de haut en bas. Allez, on tient. On tend bien. Belle rotation des épaules. Là, tire au maximum. Allez, encore. On continue. Là, et on reste en haut. Là. 1, 2, 3. Fixez les jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche. Relâchez les jambes. Vous pouvez reprendre votre corde. Moi, je ne vais pas la reprendre parce que ça me freine dans le travail. Mais prenez votre corde. On va repartir là dans 3 secondes. Tension. 2 genoux de chaque côté là. 1, 2, 1, 2. Allez. Là. De chaque côté, on continue. Allez, on lève bien. Encore. Allez, 5 secondes comme ça. Ok, relâchez. Bon, allez, je retente. Dernière. Il nous reste moins de 10 minutes. Je vais finir comme ça. Je suis désolée. Continue à sauter. Dernier bloc. Là. Faire un nœud supplémentaire peut-être. Alors, attention, on va repartir sur le prochain petit saut pied joint d'avant en arrière. Sur 30 secondes. Là. Attention. C'est parti. Avant-arrière. Allez. On met du rythme. Allez, allez, allez. Encore. Allez, on continue. Encore 10 secondes comme ça. Allez, on s'accroche. 5 secondes. Ok, relâchez. Là, on récupère. Ok, là, les prochains mouvements vont se faire sur du temps très court. On va être sur du 15 secondes. 15 secondes de travail, 15 secondes de récupération active, bien sûr. D'accord ? Donc, on est sur 15, on met du rythme. Ok ? Donc, on est sur des montées de genoux pour l'instant. Ah, je vous donnerai d'autres consignes au fur et à mesure. Attention, c'est parti là pour 15 secondes. Allez, on lève bien. Allez, 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 allez. Là, dos droit, tirez les épaules vers l'arrière. Encore. Allez, allez, 3 secondes. Ah. Ok, récup. Là, on relâche. On part dans 15. Non, pardon, dans 6. 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Allez. Allez, allez, allez. On continue toujours. Là, mettez du rythme. On rate, on reprend. Allez, encore. 3,
deux, un, récup. Ah, tranquille, on continue à sautiller. On reprend dans cinq. Là, toujours du rythme. On lève bien les genoux. Allez, c'est parti. On lève les genoux, on mobilise les abdos. On est bien sur la pointe de pied, le plus léger possible dans la réception. Là, tenez-vous droit. Sentez, tirez les épaules vers l'arrière. On récupère. Là, relâchez tranquillement. Là, en point de talon si vous voulez. Attention, on repart dans 5. Allez, c'est parti. Allez, 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 on met du rythme. Allez, encore plus. Allez. Encore 5 secondes, allez. On relâche. Allez, encore un peu. Attention. On part dans 5. 2, 1. C'est reparti. Allez. Encore, 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 encore. Allez. On arrive sur la dernière minute. Encore. 3, 2, 1. Soufflez. On continue à sauter. Là. Encore un peu. On finalise. Attention. 2, 1. C'est reparti. Allez. Allez, levez, levez, levez. Encore. On ne lâche pas. Allez. 5 secondes. Ah, on se tire. Il nous en reste une. De 15 secondes comme ça. Attention. Top. Allez. Allez, 5 secondes. Encore. 3, 2, 1. On relâche. Là, on récupère. On va récupérer. Là, continue à sauter, à bouger. On va repartir vraiment sur la dernière séquence. Corde, d'accord? Et après, on fera une dernière fois au sol, une petite séquence gainage assez dynamique. Et ce sera fini là sur la séquence corde. On va faire dans 15 secondes. Je vais vous demander vraiment de tout donner. Ça va être assez court. On va être sur des temps d'accélération qui vont osciller entre 7 et 10 secondes. D'accord? Donc, je vous demande vraiment d'y aller. Attention! Là, c'est parti! On donne tout. Là, redressez-vous. Si vous n'avez pas de corde, vous faites comme moi. Si vous en avez une, là, on met du rythme, on tire les épaules vers l'arrière. Top! On récupère. Là. Attention. Top! C'est reparti! Allez, 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 allez! Encore! Poussez. Allez. Top. On récupère. Là, donnez tout. Hein. Ça ne va pas être long. Top. Allez. On se redresse. On lève bien les genoux. Allez, encore. Encore, 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 encore. Top. Là, tranquille. Deux. Un. C'est reparti. Allez. Tirez. Allez, encore, 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 encore. Encore 3, 2, 1, récup. Là, on relâche tranquillement. Attention, on repart. Allez, allez, allez. Encore, on s'accroche, on y est presque. Encore, soufflez. On arrive au bout. Attention, top. Allez, c'est la dernière. Allez, 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 allez. On met du rythme. Encore. Encore, encore, encore. Soufflez. Là, on continue à sautiller. Là, on finit. Il nous reste 30 secondes. Vous bougez. Faites passer la corde. Là, vous pouvez la prendre à une main. La faire passer. Là, sur les côtés. Je vais tout détruire chez moi.
Puis si vous pouvez vous reprenez à deux mains et vous sautez. Voilà, c'est le moment de tester, de s'amuser. On est vraiment en récup. Là, vous pouvez croiser devant, là sur les côtés, lancer la jambe. Enfin, on peut bien s'amuser avec une corde. Ok, on va repasser au sol. Là, tout de suite, en position de planche. Là, bien gainé une fois que vous êtes prêts. On va garder les jambes tendues. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On garde les jambes tendues. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là, bien solide. Là, serrez les abdos, serrez les fesses. On va lever une jambe. Là, bien tendu. Serrez les abdos, toujours dos droit. Là, la jambe est gainée. On pose, on inverse. Là, sentez hein, la contraction au niveau des fessiers. Contractez votre jambe, le pied est bien fléchi. On pose, on inverse. Là, toujours bien solide sur les bras. On pose, on inverse. Ok, on relâche. Là, on reste en position de planche. Si vous avez besoin d'une pause, c'est le moment, le temps d'explication du prochain. On va partir là, à l'extérieur du tapis, en trois sauts. 1, 2, 3, on avance. Là, je ferme, je suis au milieu. 1, 2, 3, et je rebrousse chemin. Allez, c'est parti. Même si vous n'êtes pas sur trois temps sur les sauts, ce n'est pas grave. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là. Et là, double montagne ici pour 12. 1, 2, si c'est trop dur, vous le faites en marchant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on s'accroche et finit après. 8, 10, 11 et 12. On fixe ici. On tient 15 secondes. Allez, on s'accroche. C'est la fin de séance. On est à 46 minutes. J'ai encore grappillé. Vous avez l'habitude, hein. Allez, 5 secondes. Allez, encore. On va chercher un peu plus loin. On se dépasse. Ok, soufflez. Voilà pour aujourd'hui. On va juste se redresser. Là, continuez à sautiller. Relâchez les bras. Là, on sautille. On relâche les jambes. Voilà, je suis désolée pour les petits pépins techniques avec ce plafond qui est bas. Pourtant, je ne suis pas grande. Mais comme quoi, même avec ça, ce n'est pas suffisant. Bon, je suis désolée, ma salle ouvre bientôt. Donc, j'aurai le plaisir de faire les lives depuis la salle. Ou en tout cas, si je les fais chez moi, je pourrais retourner dans mon salon qui était occupé là ce soir. Donc, désolée. Voilà, relâchez. Là, on va juste basculer les bras. Ah, je craque de tous les côtés. C'est un mouvement qui vraiment permet de tout relâcher. Donc, allez-y, du bout des doigts, pointe des pieds, on va chercher bien loin. Là, regardez derrière. Allez chercher le plus loin possible. Ok, on relâche. Bon, voilà, ça fait un peu plus de, on va dire, 47 minutes. Merci d'avoir... d'être resté parce que je sais que là, avec les petits problèmes techniques de cordes, de machin, c'est pas toujours simple. En tout cas, j'espère que vous avez bien transpiré. Pour moi, c'est le cas. Voilà, même si c'était frustrant de ne pas pouvoir faire la séance correctement. D'ailleurs, je crois que je vais aller sur mon vélo ou mon tapis pour finaliser parce que j'ai pas travaillé comme je voulais. J'en suis désolée. J'espère qu'en tout cas, vous de votre côté, vous avez pu quand même bien suivre et sauter correctement. Alors, juste pour vous donner le programme des prochains jours. Donc, demain, rendez-vous 19h pour une séance un peu particulière puisque j'aurai comme invité la championne du monde de CrossFit, Anouk Garnier, qui nous fera un échauffement avec tout un travail de mobilité articulaire. C'est hyper important de travailler la mobilité articulaire. J'en fais moi à chaque fois en début de séance. C'est vraiment ce qui va vous éviter de vous blesser. C'est important de travailler la prévention, de prendre le temps de prévenir toutes les blessures et notamment au niveau des articulations, épaules, genoux. Enfin voilà, c'est très important. Donc je
toute façon, la séance sera en IGTV pour le coup, puisque comme on est en double Insta, je ne vais pas pouvoir le faire sur YouTube en même temps. Enfin, je vais voir si je fais quand même quelque chose. Mais en tout cas, voilà, demain 19h pour un temps de mobilité, 20 minutes de renforcement musculaire. Alors, ce sera, je pense, niveau mélangé. Je proposerai des options pour avoir vraiment un bloc de 20 minutes. Parce qu'à la fin de ces 20 minutes, elle va nous proposer un challenge sportif. Je ne peux pas vous en dire plus. On le découvrira demain. Voilà. Voilà pour jeudi et vendredi. Je vous afficherai le programme parce qu'en fonction de ce qu'on aura fait jeudi, j'adapterai le programme de vendredi. Et samedi, si vous n'avez pas encore réservé votre séance de boxe avec moi sur Zoom, vous pouvez le faire via le lien dans ma bio Insta. Et bon, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, si vous voulez le faire, le lien est disponible. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma question d'hier, à savoir un peu comment vous entraînez en ce moment. Est-ce que c'est plus du live? Est-ce que c'est du replay? Est-ce que vous avez pu retourner dans votre salle? Moi, ça me permet aussi d'envisager aussi la suite de ma présence sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai encore un peu de temps, donc je pense que je vais continuer les lives parce que je vous le dis souvent, je prends beaucoup de plaisir et c'est aussi mes temps d'entraînement perso. Donc je vais continuer parce que ça me motive et c'est mon rendez-vous et ça me permet d'éviter de le zapper parce que trop de travail, plein de choses à faire à chaque fois. Hein. Forcément, on trouve toujours tout plein d'excuses. Peut-être que je modifierai le programme avec certainement 3 ou 4 lives beaucoup plus importants. Je pense faire lundi, mercredi, vendredi, mais je vous en parle sur mes réseaux et je pense que je vous questionnerai sur les jours, sur les horaires, parce que j'ai l'impression que 19h, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Bon, à voir, en tout cas, j'essaye de faire au mieux et quoi qu'il en soit, il y a toujours les replays sur YouTube pour pouvoir rattraper les séances. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous demain et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Voilà, bonne soirée à tous. Hop, bon, je vous remercie. Je vous dis à demain. Ah, des douleurs à l'épaule. Ouais, moi j'ai des douleurs à l'épaule depuis quelques jours. Pour tout vous dire, j'ai fait une chute en jouant à la bataille d'eau avec ma fille. Et donc j'ai testé, ça va beaucoup mieux. J'ai testé les ventouses, donc je ne connais plus le nom. Exact en si cupping thérapie, je crois que c'est ça, voilà, cupping thérapie ou hijama en arabe. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je continue à glacer et à masser, voilà, une chute bête en courant et en glissant sur le carrelage. Voilà, donc oui, j'ai mal à l'épaule, mais ça va beaucoup mieux et c'est aussi pour ça que j'ai pas refait de séance HIIT haut du corps depuis 2 semaines, je crois, parce que pour éviter de solliciter trop mon épaule, parce que sur certains mouvements, c'est assez douloureux. Voilà, mais une fois que je suis bien échauffée et surtout que je prépare l'épaule avant l'entraînement, ben, ça va mieux. Je fais beaucoup de massages et beaucoup de glace, etc. Donc, pas mal de soins, ça va bien, mais je fais attention parce que mon épaule, je la sollicite énormément pendant tous les entraînements, pendant tout ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, merci à vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Prenez soin de vous. Salut.